Et bonjour à toutes et à tous pour ce 31e épisode. Et aujourd'hui, on joue contre le PSG à domicile à la Beaugeoire. J'espère qu'on va faire un stade plein. Je ne pense pas parce que le jeu est mal fait. Mais ça sera sûrement un gros match contre une équipe qui est, je crois, classée 2e ou 3e du championnat. Et donc, il faudra battre si on veut rester premier, même si je crois qu'on n'est pas trop en danger sur ce côté-là. Mais bon, enfin, vaut mieux gagner les matchs un par un, donc espérons qu'on va gagner aujourd'hui. Même si on n'est pas super méga performant à domicile, et qu'en face, c'est pas non plus n'importe quoi, c'est le Celta de Saint-Germain. On peut voir qu'ils ont recruté Alaba. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Bender, on l'avait déjà vu l'année dernière, je crois. Thiago, je suis pas sûr, je pense pas qu'on l'avait vu. Nené est encore au club, alors que normalement, il aurait disparu, je sais plus où déjà. Ou je crois en Iran, enfin pardon, pas en Iran, je veux dire au Qatar, quoi. C'est à peu près pareil. Et donc, moi, j'ai mis l'équipe type, à part que Do n'est pas là parce qu'il a été suspendu, et que Djiloboji, pareil, a été suspendu pour ce match. C'est quand même deux grosses pertes, hein, je vous l'accorde. Alors celui-là, ah oh oui, là, celui-là, il va falloir le presser, le petit Zlatan, parce qu'il me fait peur. C'est Zlatan Saint-Germain, quoi. Alors, étant donné qu'on ne nous donne pas favori, blablabla, ça roule, on va mettre personne à tourner. Voilà, assuré. Je vais peut-être faire ça. Et bien sûr, en général, quand c'est un gros match, qu'on leur dit de faire un bon match en défense, ils nous disent « Ah, je suis désorienté, quoi, je sais pas trop ce que je dois faire. » Mais allô, quoi. Bon, très belle. Ouf. Oh, ça va en jaune, ça, monsieur l'arbitre. Vous avez vu la faute, comment elle était violente? Et ouais, de toute façon, vous pouvez voir que là, on est bien niveau classement. Donc, même si on perd, on est premier. Franchement, on a 6 points d'avance sur l'OM, quoi. Qui a un match en moins, certes, mais 6 points d'avance. Mon Dieu. Ah, et ça, qu'il y a Lyon qui n'a pas encore fait 2 matchs. Bon, c'est peut-être pas non plus acquis. Aïe, aïe, aïe. Pfff. Ouh là 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 là. On va faire un truc, on va faire harceler vos adversaires parce que j'aime pas ça là. Et pour le moment, un match dominé par le PSG hein, sur 2 corners. Et heureusement, on a un Ryu qui est toujours aussi excellent. Et là, Djordjevic qui fera rien face à Sirigu. Alors, Sirigu, passe-moi la balle. Non, tu veux pas? Dommage, j'aurais été pour. Alors, Thiago. Fera ta balle, s'il te plaît. Passez-moi la balle, les gars. Pourquoi vous êtes méchants? Ouh là là, la passe. Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'allais. Passe-moi la balle. Ça le chauve. Mais y a pas foot. C'est un chauve. Pff, en plus, il est nul en vrai. Moi, je l'aime pas. J'allais. Bon, bref. Toujours 0-0. Et pour le moment, on se fait dominer. Alors, on va mettre la balle. Mettez la balle devant, s'il vous plaît. On domine pas en plus, alors qu'on a une tactique qui normalement est portée vers l'avant. Là, on a beaucoup de mal. On gagne aucune tête en plus. Bon, ça, c'est pas trop étonnant vu qu'on a quand même des petits. Surtout très belles, Pito, Malbranque, Vertu. C'est pas non plus des grands. Roudet, je sais pas vraiment sa taille. Je sais pas s'il est grand ou petit. Et Djordjevic, bon, bah, il est plutôt grand, mais. C'est pas non plus un grand pivot. Aïe, bien, ça, c'est beau jeu à 3 là. Ouah, c'est magnifique. Ça, je vous aime quand vous faites ça, les gars. Voilà, c'est beau ça. C'est moins beau ça. Bon, Thiago, j'allais. Thiago, Matuidi, Ibrahimovic. Enfin, Zlatan quoi. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Mais il devrait même pas jouer au PSG quoi. Non mais allô. J'en ai marre de dire allô en plus là, espèce de chameau là. Putain, 1-0. Le pire, c'est que j'ai pas trop de solutions, là. Je sais pas trop comment je vais pouvoir reverser la vapeur, je sais pas. Bon, bah, on peut revoir encore ce but de Néné. Hop là, bon. Ah, peut-être sur coup franc, ouais. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Oh, oui? Ah, non.
peut pas utiliser l'axe du terrain. Il joue une tactique avec un milieu de terrain beaucoup plus offensif que moi. Donc je sais pas trop quoi faire. Alors, ils reviennent pas derrière. Mais franchement, le PSG, ça va être très... Oh là là là, faute. La forêt était pas bon là en plus. Ah, regardez un peu Bonnard, je vous en ai parlé un peu la dernière fois. Et je vous avais dit qu'il faisait pas des très bons matchs. Regardez sa note. Ce mec, il a 7,25 de notes grâce à son dernier match, mais il est nul. Il est nul. Mais c'est bon, quoi! Oh là là, le mec, il a failli marquer un but, quoi. Pff, mon dieu. Hors jeu. Bon. Est-ce qu'on va essayer d'attaquer un peu mieux? Parce que là, c'est pas bon du tout. Il y a rien à retenir de bon. Je sais pas quoi faire. Peut-être une nouvelle tactique à la mi-temps, je sais pas. Je peux même pas faire une tactique défensive. Enfin, la tactique défensive que j'utilise d'habitude, c'est la tactique du PSG, donc c'est pas trop ça. Peut-être repartir sur un 4-5-1, mais je suis pas emballé. On va essayer, hein. De toute façon, on a plus trop de choix. Franchement, là, j'ai un peu. Je sais pas trop quoi faire pour une fois. Là, je suis un peu fermé. On va essayer de tenter ça, hein. De toute façon, vu le match actuel, c'est pas trop notre. On n'est pas trop bien, donc autant tenter le coucou. Et oui, je répète mes phrases, et on va sortir, est-ce que je refais comme l'année dernière? Ah, ça faisait longtemps, ça me tente très bien. Et non, peut-être que je vais faire ça, je vais sortir le très bel, et je vais faire rentrer par touche. Je vais faire Georgievic là, et on va tenter cette tactique là, on va voir ce que ça vaut. Parce que les dernières on avait plutôt bien géré avec cette tactique là, je crois d'ailleurs. Donc on va essayer. C'est la première fois de cette saison que j'utilise le 4-5-1 de l'année dernière. Je l'avais mis au cas où d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais utilisé. Enfin, peut-être parce que j'avais des bonnes performances, mais quand même. Alors. Ah ouais, ça valait le coup de le mettre quoi. Beau changement tactique, je trouve. Merci Gladia. Beau changement tactique. Je crois que t'as fait le bon choix. Personnellement, j'aurais fait le même, hein, parce que franchement, se prendre un but au bout d'une minute après le coup d'envoi de la deuxième période, je pense que c'était un bon choix. Après, on peut débattre, hein, sur le fait si c'était bon ou pas, mais je pense que c'était un très bon choix. Mais putain, je suis pas dans la merde là. Ah, on fait rien du tout du match, quoi. Je sais pas quoi faire du tout. Et on perd 2-0. Ouais quoi. Et le pire c'est qu'on a rien quoi, on a rien de super fond. De la tête on peut rien faire. Néné là, il fait chier là, il devrait repartir sur son pognon au Qatar là. Oh là là, le 3-0 était pas loin. Pito. Oui, par touche, fais-moi, vas-y, sors-moi une cartouche là, sors-moi une grosse cartouche. Oui! Oh, dommage. On va faire ça, hein, on va tenter. Hein. On tente le tout pour le tout, mais. On va se prendre plutôt une grosse branlée, je pense. Là, là on perd que 2-0, mais je sens que ça va continuer, qu'on va s'en prendre deux autres, au moins. Donc là, le petit promu qui est le FC Nantes, là, prend cher. Franchement, prend très cher. Je suis même pas sûr que cette année marque en plus. Je crois que c'est Néné et je sais même plus qui c'est le deuxième but. Bon, on verra à la fin du match. Bon. Georgievic, je t'aime, mais là, sur ce match, t'es pas là. T'es pas bon, donc, t'es sorti. Et on va tenter de David Bellion, qui est normalement très très nul, donc ça va être sympa. Je pense que ça va être très très sympa. Je sens que il va nous apporter beaucoup. Tant qu'on fait de la merde, on peut continuer, hein, de toute façon. Prendre 2 buts ou 4 ou 8, hein, c'est un peu chiant, mais je pense pas que ça va jouer sur le classement, hein, à la fin de saison. Allez, Thiago, mets-moi notre but sur corner. Voilà. Eh non. Ouf. Oh, le retourné acrobatique, quoi, mais. Sur la ligne, quoi. Le mec, il se dit, vas-y, bon, pour sauver un ballon, je vais faire un retourné acrobatique. D'accord. Bah, pas de soucis. Bonnard qui fait de la merde. Comme d'habitude, ça change pas. On va essayer de prendre plus de risques. Ah, on peut pas. C'est bien comme ça aussi. David Bellion qui joue tout seul. Ça change d'habitude également. Néné, Pito,
qui me fait pas une très bonne saison pour le moment. C'est pas un très bon achat, alors que Malbranche, je suis très satisfait, par exemple. Ou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, Nego, il est plutôt correct. Il est pas très bon, mais il est plutôt correct. Bah, Forêt, vous pouvez voir qu'il est très bon. Skelachi, j'aime pas. Bonnard est très irrégulier. Roudet est plutôt pas mal. Donc, plutôt un bon achat pour Roudet. Bellion est nul, hein. Bon, ça, c'est. Oui! Bellion! Ah, sérieux, mais il y a, je crois que je suis maudit, en fait. Quand je dis qu'un joueur est nul, il marque un but. Franchement, c'est un truc de malade. Chaque fois que je dis, il est nul, boum, il y a un but. C'est un truc de ouf. Roudet est nul. Marque-moi un but, s'il te plaît. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Faut que je dise à mes joueurs qui sont nuls pour qu'ensuite ils me prouvent qu'ils sont bons, quoi. Je devrais les insulter plus souvent, quoi. Oh mon dieu. Allez, on peut revenir maintenant. Allez, bien, Skidachi, tu m'as fait rêver, là. Voilà, Partouche. Allez, Partouche. Ce serait pas mérité pour le PSG, mais bon, on s'en fout du PSG, ils nous ont déjà volé l'année dernière, donc volons-les aujourd'hui. Allez, là-bas, prends-toi un rouge, on n'est rien à foutre, mais perds pas de temps. Je vais voir si on peut pas prendre plus de risques, cette fois-ci, toujours pas. D'accord. Ah, voilà, comportement violent, quoi. Donc, on va jouer à 11 contre 10, ça c'est bon signe, ça peut changer complètement le cours du match. Qu'est-ce que je pourrais faire venir? Peut-être Odelin à la place de Roudet, peut-être, ça peut être sympa. Allez, Malbranque. Oui, Roudet. Oui, Malbranque. Oui, Nego. Allez, montre-moi que tu sais construire des châteaux de sable. Allez, Malbranque. Malbranque? Bon, alors, sur ce magnifique travail de Malbranque, je vais sortir... pas qui faire. Pop. Je sais pas si je suis rentré Odeline ou Zouir. Odeline, j'ai pas fait souvent jouer. Allez, va pour Odeline. Et ça fait qu'on a fait deux changements sur les côtés quand même, hein, dans ce match. Alors, entre l'arrivée de, qu'on s'appelle, de la cartouche et de Odeline, qui a pas trop joué vu qu'il a été souvent blessé cette saison. On va voir ce que ça va apporter si on se prend un rouge les dans l'os. Si on marque un but, je suis heureux. Si on marque pas de but, je vais pleurer. Non mais je vais vraiment pleurer. Hein. Je suis au bout des larmes, j'ai envie de pleurer quoi. Bon allez, Malbranque. Malbranque. Bien Pito. Nego. Oui. Oui, Odeline. Oh le bar. Il y a beaucoup de déchets dans notre genou, mais c'est pas vrai. Oh la barre. Oh, dommage. Dommage. Allez, 4 minutes de jeu. Enfin, que 4 minutes de jeu. Plus que 4 minutes de temps de jeu. Ouais, c'est bon. Pourquoi je dis non? Oui. Non. Lego. Allez, les Lego. Odeline. Oui. Bellion. Oh, putain. C'est qui? Est-ce que je suis un bon coach? Je pense que je suis un bon coach. Je suis un beau coach, quand même. Parce que là, Odeline, rentrée, pas décisive. Bellion, rentrée, 2 buts. C'est qui le meilleur? C'est vraiment c'est qui le meilleur? J'ai envie de vous... dans les commentaires, je veux marquer Gladia is the best of the world. Oh, si là, je me prends un but, sérieux, je ferme ma gueule. Pour tout jamais. Allez, Bonnard. Oh, punaise, les gars, on arrache le match nul alors que franchement, on le mérite pas, quoi. Wow. On est vraiment excellent. Bien joué, les gars, vous avez fait un match... c'est super, ça. Bon, bah, je sais pas trop motivé, mais... Oh, le retour, quoi. Mais je suis très, très content, quoi. Pouh, yes. Oh, le coaching de fou que je viens de faire, quand même. Bellion, que je fais jamais jouer, quasiment. Et boum, là... Yes, quoi. Yes. Bon, bah, l'OM est bien revenu aussi. On a combien de points d'avance? On a... Imaginons qu'il gagne. Ça ferait 3 points d'avance sur l'OM. Si Saint-Etienne... Bah, Saint-Etienne, c'est bon. On a 6 points d'avance. Et sachant qu'il faut au moins 40 points, je crois, pour être non relégué, on est quand même assez bien parti quand même. Hein. Il nous reste plus que 18 points à avoir. On a fait plus de la moitié. Franchement, c'est vraiment super. Ah bah là, il a pris cher la Georgievic du coup. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain match sera donc face à Saint-Etienne. Un gros match aussi, vu qu'ils sont bien classés. C'est une grosse équipe offensive. C'est peut-être pas l'OM niveau attaque, mais enfin, d'ailleurs, pourquoi je dis ça? C'est en vrai.
l'OM marquer 5 buts, quoi. Je pense que le jour où on verra ça, je m'appellerai Zizou, quoi. Parce que leur match de merde, ils nous sortent cette année en vrai, quoi. Bon, bref. Vive les Marseillais, c'est ça. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Et à bientôt pour le prochain épisode, le 32, je crois, contre Saint-Étienne. Bisous, bisous. Plus, plus.